Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite analyse des arcs narratifs des personnages des trois derniers chapitres, 1079, 1080, 1081. Je vais me concentrer sur les personnages les plus intéressants et les thématiques qui pouvaient amener des plot twists et des rebondissements sympathiques. On va commencer par le personnage de Garp. Alors le personnage de Garp a toujours été transparent, sauf que beaucoup de lecteurs, de youtubeurs, de tweetos, ils refusaient de voir le monde de One Piece comme il était décrit par l'auteur. C'est un des points majeurs que je soulève régulièrement dans la communauté. Les lecteurs ont beaucoup d'attentes, trop d'attentes même, et ils sont déçus quand ce qu'ils voulaient n'arrive pas. C'est ce qui arrive avec Garp. Depuis le début, il est dit qu'il était le rival de Roger. Roger dit à un marine un moment, si vous voulez avoir une chance de m'arrêter, ramenez Garp ou Sengoku avec vous. La semaine dernière encore sur Twitter, il y avait des tweetos qui faisaient des comparaisons pour justifier que leur point de vue sur Garp est le bon, le seul, et qu'il est égal à 50% de la force de Chiki, blablabla, blablabla. Bon, One Piece, visiblement, c'est plus un manga qui se lit, voilà, c'est un manga qui se calcule avec les power scaling et compagnie. Bon, il faut réaliser à quel point on en est réduit aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il y a certaines personnes qui essaient de se raccrocher aux branches pendant la chute cataclysmique qu'ils sont en train de subir. Depuis NS Lobby et son apparition majeure dans le manga, je rappelle juste que Garp, le type envoyait des boulets de canon à main nue. Et c'est après le running gag de Don Chinjao que le personnage a été décrédibilisé par des youtubeurs, notamment des lecteurs, sur une base complètement erronée. Bon, bref, on va pas s'étendre là-dessus. On va faire une petite analyse rapide de Garp sur ce chapitre 1081. Et il nous a montré quoi? Que nous a montré l'auteur et que nous montre le personnage? On va être honnête. Garp, c'est du haki de l'armement démentiel. C'est du haki des rois confirmés. Qu'on le veuille ou non, il y a des éclairs noirs. Qu'il y ait de la mousse ou pas sur les lèvres, c'est pas un souci. Haki des rois confirmés, probablement utilisation et maîtrise du Ryo avec son haki des rois. C'est probablement pour ça que les types lambda autour, ils s'évanouissent pas ou bien qu'ils n'ont pas d'écume au bord des lèvres. On a forcément du haki des rois avec le Ryo, comme je disais. C'est pour cette raison que le Ice Ball de Kuzan ne marche pas. Je rappelle les bases. Les fruits du démon sont tous impuissants face au haki. Tous, 100%. Vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous pouvez rager, mourir dans un coin de la pièce, on veut juste pas vous entendre, on en a marre de répéter les mêmes choses tout le temps. Le haki est le némésis des fruits du démon, point. Ensuite, Garp, c'est aussi une puissance qui a fortement diminué, des dires du personnage, mais c'est une puissance qui reste démentielle. Si le perso dit « je suis déçu, vraiment déçu, j'ai perdu la main », s'il vous plaît, arrêtons la mauvaise foi, c'est directement l'auteur qui fait dire ça à son perso. Garp n'est pas connu, le personnage en tout cas n'est pas connu pour être un personnage qui se vante. Garp ne se vante pas. Tout ce qu'on sait de lui jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'il est un héros overcheaté de la marine. Donc le type aurait probablement vaporisé toute l'île dans sa jeunesse. Je vous rappelle encore Roger qui dit « Si vous voulez une chance de m'attraper, amenez Garp ou au moins Sengoku. » Maintenant que les gens veulent décrédibiliser les personnages, c'est eux qui voient, mais bon, l'histoire ne ment pas. Bon, si vous ne croyez pas les autres lecteurs ou les SBS, croyez au moins l'auteur qui vous dit la vérité avec ses personnages quand même. L'auteur parle par l'intermédiaire de ses personnages, il dit la vérité, point barre, il faut l'accepter. Alors, donc avec Garp, on a utilisation et maîtrise du Rokushiki. À une des cases, clairement, Garp utilise le Rokushiki. Je fais simplement un rappel, les gradés de la marine maîtrisent tous le Rokushiki. Rappelez-vous Vergo, le vice-amiral espion de Doflamingo, ou même Lucci. J'ai fait une vidéo sur les profils de personnages qui peuvent battre Barbe Noire. Allez la voir, Garp est avec. Ce chapitre, un des profils les plus intéressants pour battre le personnage de Barbe Noire. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Enfin, Garp aurait-il pu faire pencher la balance à Marineford? Sincèrement, la réponse est oui. Je ne vais pas passer par plusieurs chemins. Oui, et d'un point de vue narratif, le choix de Garp de ne pas intervenir car sa famille est mêlée aux causes de cette guerre rend le personnage encore plus épique selon moi. Donc oui, de mon point de vue, Garp aurait fait pencher la balance clairement, mais en qualité de vice-amiral et non d'amiral, il avait la possibilité de se récuser. Il n'a pas pris parti pour Ace et Luffy. C'était le handicap, le cadeau qu'il leur faisait. Alors oui, certains vont me dire « ouais, tu vois ça comme ça ». Oui, c'est comme ça que je le vois. Il n'a pas pris parti pour Ace. Et son statut de héros lui permettait de faire pas mal de choses. Il y a Sengoku qui disait que Garp aurait été renvoyé, démis de ses fonctions depuis longtemps s'il n'était pas le héros de la marine, le sauveur de God Valley.
point barre. Donc, il a des passe-droits. Son statut lui permettait de faire beaucoup de choses, notamment de traiter les dragons célestes, de s'acafiante lors de la rêverie à Redport, juste en bas de Marie-Joise. Et puis de dire, dans un running gag encore un peu drôle, je n'ai rien dit. Encore une fois, les gens ne veulent pas voir et accepter ce qui crève les yeux. Garp, il est cheaté. Il est vieux, mais il est cheaté. Et il fait ce qu'il veut, et sa présence sur la ruche est encore une preuve de tout ça. Tous les bateaux du gouvernement mondial de la zone, quand il arrive à la base G14, on lui dit tous les navires sont réquisitionnés. Le gars dit non. Sa présence sur la ruche est encore une preuve, car tous les bateaux du GM et de la marine sont réquisitionnés. Mais lui, il va sauver son apprenti. Donc, Garp, le personnage, est exposé. C'est les gens qui veulent pas accepter les choses. À qui des rois, pas à qui des rois, il n'y a pas de mousse. Ça, c'est du blabla. Ok, donc passons à autre chose. Garp, c'est un personnage qui est très intéressant. Bon, voilà ce que j'avais à dire sur Garp. On va passer à Aokiji. J'ai déjà, encore une fois, j'ai déjà fait deux analyses sur le personnage d'Aokiji. Vous pouvez aller la voir sur ma chaîne. Alors, ensuite, Aokiji, aka Kuzan. J'ai déjà fait deux vidéos sur ce personnage, dont une qui titrait « Ce type n'est pas un infiltré ». Voilà, je vous invite à aller la voir, mais aussi celle sur l'étude complète de ce personnage qui va se révéler important pour la suite, car il est au centre de la thématique qui traite de la justice. Il est probable qu'un autre combat avec Akainu soit possible pour savoir qui de la justice absolue ou de la justice équitable l'emportera. Alors ça, j'aurais bien aimé voir ce combat-là, c'est intéressant. Après, s'il n'arrive pas, c'est pas la fin du monde. Aokiji, c'est un personnage qui est en quête de sa justice, de son idéal de justice. Et les pirates, ce sont les seuls à pouvoir lui donner cette liberté de faire ce qu'il veut. Point. Ce chapitre servait aussi à montrer que ce n'est pas un faible, qu'un amiral n'est pas un personnage faible. Le GM est au pouvoir. Je rappelle simplement que le GM est au pouvoir depuis 800 ans et garde les plus forts dans ses rangs, que ça soit les fruits du démon ou les individus. Est-ce qu'il est aussi fort que Kaido? La réponse est non. Kaido, c'est une anomalie. Je ne vais pas revenir là-dessus. Encore une fois, j'ai déjà fait deux vidéos sur Kaido. Je pense que Kaido en individuel, il n'y a pas grand monde qui peut le prendre, quoi. Même si on a un Shanks qui peut lui donner le combat de sa vie, mais l'issue sera de toute manière incertaine. Le combat Garp versus Kuzan, il sert à nous montrer, de mon point de vue en tout cas, la différence entre amiral et amiral en chef. Alors, je vais traiter ça dans une autre vidéo d'ici quelques mois sur la hiérarchie, mais ça nous pousse à réfléchir sur la véritable force d'Akainu. On va pas se mentir. Il y a des pro-amiraux, des pro-yonko. Moi, j'en ai rien à faire. Ça nous pousse à réfléchir sur la véritable force d'Akainu et sa détermination. Voilà. Garp était pressenti pour ce poste d'amiral en chef, mais il a toujours refusé à cause des sacafiantes de Tenryubito. Voilà. Ce sont les mots qu'il y a dans le manga. Garp, pour moi, Garp, il est comme le personnage de Zed dans le film One Piece éponyme. De même que Zed disait à Kizaru qu'il fait trop confiance à son fruit du démon, Garp dit à Kuzan que ses techniques de fruit du démon, elles vont pas fonctionner contre lui. Arrête, enfin, ton truc, ça va pas fonctionner. Alors, ce chapitre, il montre la puissance du haki face à un utilisateur de fruits du démon expérimenté comme Kuzan. Et ça entérine, j'espère que ça va entériner une bonne fois pour toute l'opposition fruits du démon et haki en faveur du haki. Le haki, c'est le némésis des fruits du démon, point. On n'en parle plus. Pour comprendre ce qui tracasse le personnage de Kuzan, et c'est ce qui est plus intéressant, rappelons-nous simplement la phrase de Doflamingo à Pink Hazard, quand ils sont en train de se battre avec Smoker. « Dis-moi, Kuzan, qui es-tu vraiment ?» Alors, on ne sait pas si c'est juste avant les événements qu'on nous montre en flashback avec Teach, ou si c'est après. Je ne pense pas que ça soit utile de savoir ça. En tout cas, à Aokiji, j'ai déjà fait encore une fois deux vidéos là-dessus. Vous pouvez aller les voir, c'est très intéressant. Bon, on va passer à Teach. Je ne vois plus le personnage exactement de la même manière. Ou plutôt, même si on ne sait pas exactement pourquoi il agit comme il le fait, le personnage apparaît moins méchant, moins obscur en termes de motivation et d'empathie. On en sait un petit peu plus sur lui et même sur la mentalité, le ton de son équipage. En tout cas, c'est l'image qu'il me renvoie. Dans une histoire, un personnage se définit par ses actions. Et recruter un individu aussi dangereux que Aokiji dans son équipage est à la fois audacieux, mais aussi surtout risqué. Parce qu'il n'a aucune idée si Aokiji peut être un infiltré ou pas. Alors ça, nous, on le sait. Mais Aokiji pouvait être un soueur d'infiltré. Même si ce dernier n'avait aucune connaissance de ce corps de marine, mais on le sait depuis le dernier chapitre, mais Teach ne pouvait pas savoir. Mais Teach, c'est un gars qui prend des risques. Et aujourd'hui, je le vois moins obscur. C'est-à-dire que je vois ses ambitions d'une autre manière, un peu plus claire. Teach reste fidèle à ses principes. Il a un plan, des objectifs. Et s'il doit marcher sous les autres pour recruter un type extrêmement dangereux pour son organisation, alors il va tenter le coup.
Plus les chapitres passent et plus Barbe Noire s'éloigne, selon moi, du chemin de l'antagoniste principal et ultime de One Piece. Alors, encore une fois, ce n'est que mon avis, c'est pas la vérité, ok? Mais, encore une fois, j'ai fait une analyse du personnage de Barbe Noire, vous pouvez aller la voir, je dis tout ce qu'il y a à dire sur le personnage, et je donne mon avis, ok? C'est pas une vérité ultime, encore une fois, c'est un ressenti et non une vérité absolue. Bon, on va faire un petit tour avec l'eau et les pirates du Earth. Encore une fois, j'ai fait une vidéo, oui, je fais beaucoup de vidéos sur ces personnages, encore une fois, je fais une vidéo sur la confrontation l'eau pirates du Earth contre Barbe Noire et son équipage. Je vois, il y a une défaite de façade pour Teach. À mon avis, il a perdu parce qu'il n'a pas réussi. C'est une défaite de façade pour Teach. Même s'il a récupéré les poneglyphes, il récupère pas le... Les gars s'enfuient, quoi. Les gars s'enfuient. Donc, je vois une défaite de façade pour Teach et la perte des poneglyphes pour l'eau. Alors, j'en vois déjà certains lecteurs. Ouais, l'eau, il aurait dû mourir. Il devait mourir. Oda, il tue pas ses personnages. Il y arrive pas. Bon, putain, arrêtez. Stop. Bon, on va mettre les choses au clair une bonne fois pour toutes. L'eau, il a une densité narrative trop importante, trop conséquente pour que l'auteur se permette de le tuer maintenant pour sa saga finale. L'eau est présent quasiment en continu à chaque arc depuis les Sabondi. Il a une thématique et un mystère qui colle à son développement narratif, la vérité sur le dit. C'est le seul personnage qui est à la recherche de ce mystère dans One Piece. La vérité sur le dit. Luffy, il ne recherche pas ça. Luffy, il veut atteindre le One Piece. C'est tout ce qu'il veut. Mais la vérité, les mystères sur le dit, c'est lié à la notion de liberté dans One Piece, qui est aussi une thématique développée dans le roman qui est dédié à l'eau. Il veut savoir ce qu'est la liberté. Alors, je vous invite aussi à lire le roman sur l'eau, si vous voulez en savoir plus. Dans ce roman, en plus, on voit que le sous-marin est dans un métal extrêmement rigide, quasiment indestructible. Donc, le fait qu'il soit détruit là aujourd'hui, ça a une vraie connotation importante dans le manga. Donc l'eau recherche la vérité sur le dit, donc il ne peut pas disparaître comme ça. C'était évident qu'il ne pouvait pas disparaître comme ça. Enfin, à Wano Kuni, l'auteur lui donne avec Robin et Sukiyaki Kozuki, il lui montre, lui donne une scène sur la vérité sur le road poneglyph de Wano et la vérité sur Pluton. Alors comment croire? Comment vous voulez croire 2 minutes que sa fonction, son rôle dans l'histoire pouvait à un moment se terminer là maintenant? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc il faut s'arrêter sur les éléments de narration pour essayer de voir ce qui va se passer par la suite. Bon, maintenant, quelle option narrative il existe pour l'eau? Sans analyse particulièrement poussée, je vois bien l'eau, sans son navire, son sous-marin, finir dans la Cross Guild. Bon, après, encore une fois, ce n'est qu'une envie. Qui verrait probablement de bon oeil l'arrivée d'un stratège tel que l'eau avec un fruit du démon aussi particulier? Bon, petite analyse en termes de caractérisation. Cross signifie croix. Une croix se définit par 2 segments qui se croisent avec un total de 5 points, les 4 extrémités et 1 au centre. L'eau avec ses capacités pourrait intégrer facilement cette organisation qui n'est pas un équipage. La Cross Guild, c'est pas un équipage, c'est une espèce d'entreprise, c'est une association de pirates, mais surtout d'anciens corsaires. Alors vous me direz, et le 5e point au centre? Alors encore une fois, ce n'est qu'une envie, c'est une envie qui est répandue dans la communauté One Piece, mais voir un Doflamingo dans la Cross Guild, ça serait épique. Mais c'est un personnage, encore une fois, il faut regarder les possibilités narratives de raconter le truc. Comment tu vas l'intégrer? Il ne suffit pas de le prendre, de le catapulter là et puis de dire « Ah, super, Doflamingo et Cross Guild !» Ça, c'est du fanservice débile, ok? Il faut que ça soit crédible d'un point de vue narratif. Et ramener ce personnage-là, c'est très difficile, sauf si la proposition de détruire le GM et les Tenryu Ibito est mise sur la table. On sait que Joker, Dofla, c'est associé à Kaido pour se venger des dragons célestes. Voilà. Donc là, toutefois, ça reste une option très difficile à mettre en place selon moi, parce qu'il faudrait que la dernière fois que les gens ont attaqué Impel Down, le bordel que ça a créé, d'un point de vue histoire, narratif, pour moi, c'est très dur à placer. Mais on ne peut pas dire que c'est impossible et que c'est complètement fou. Ensuite, je voulais parler un peu de Kid. On a parlé de Law qui pourrait intégrer la Cross Guild. Je parlerai rapidement de Kid qui pourrait intégrer l'équipage de Shanks. Pour de nombreuses raisons, notamment un parallèle physique entre les deux personnages. Kid, il a les cheveux rouges comme Shanks. Il a une cicatrice à l'œil comme Shanks. Il a un bras en moins comme Shanks. En plus, c'est le même et la possibilité de constituer un vrai renfort de poids pour la flotte du Yonko en prévision d'une guerre finale cataclysme. Oda a fortement insisté sur la faiblesse de la flotte de Shanks.
Shanks. Un recrutement d'un supernova de la trempe de Kid. En vrai, ce serait très intéressant pour renforcer une flotte d'empereurs, mais aussi pour garder ce personnage dans l'intrigue et dans l'histoire principale. Pour Kid, la défaite contre Shanks est la défaite de trop. Toutefois, elle peut aussi constituer un événement déclencheur pour l'arc narratif personnel du personnage, lui permettant d'évoluer enfin. Parce que je rappelle encore une fois, le caractère de Kid n'a pas changé depuis les Sabondis. Voilà, donc ça lui permettrait d'évoluer. Pour Kid, ce serait une évolution qui serait possible et cohérente tant la narration autour du personnage va dans ce sens. Il accepte l'alliance pour attaquer Onigashima. Il accepte d'attaquer les deux Yonko avec d'autres capitaines, avec d'autres personnes. Il accepte d'affronter Big Mom alors que c'est Kaido qui lui a fait le plus de mal en l'emprisonnant et en faisant équipe avec Law. Ces trois-là, Luffy, Kid et Law, ils se complètent parfaitement. Il serait dommage, selon moi, de ne pas donner une dernière chance à l'évolution de Kid pour la saga finale. Même si son dénouement face à Shanks était inéluctable et pour moi logique, ce serait intéressant, même dans une mini-aventure, de voir une évolution du personnage de Kid. Ce serait intéressant. Et puis, les mini-aventures se prêtent facilement à ça. Alors, est-ce que Shanks pourrait devenir un mentor pour Kid dans un format mini-aventure ? Rien n'est impossible. Est-ce que ça c'est intéressant? Oui, pourquoi pas. Ça n'impacte pas la trame principale d'entrée. Ça permet de ne pas rajouter des chapitres inutiles. Alors rien n'est impossible. Shanks n'est pas le mentor de Luffy. Je le rappelle, il est son idéal du pirate. Le mentor de Luffy, c'est Rayleigh. Et Shanks pourrait devenir le mentor de Kid ou un des gars de son équipage, par exemple Ben Beckman. Ça nécessite aussi une vidéo spécifique, ceci dit. Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Donc ça, c'était mon avis sur Kid. Maintenant, Chopper. Alors, je suis complètement en contradiction avec le Mont Corvo. Le Mont Corvo estime que Chopper et beaucoup de personnes qui suivent le Mont Corvo estiment que Chopper et le traitement de Chopper, le développement de Chopper n'est pas bon. Déjà, le vocabulaire, traitement, les gens savent pas de quoi ils parlent. Je vais pas revenir là-dessus. Le traitement du personnage, le traitement de Chopper est déjà fait. C'est un renne. Tout l'habillage physique du personnage, son apparence physique, c'est ça le traitement. Un personnage de base, je veux dire, un personnage qui n'est pas traité, ça n'existe pas. Voilà, un personnage qui n'est pas traité, ça n'existe pas. Ok ? Donc, beaucoup de lecteurs et de fans, surtout les youtubeurs, le Mont Corvo en premier, pour ne pas les nommer, ont décrété que Chopper était réduit à une simple mascotte. Non seulement c'est faux, Oda utilise un procédé narratif qu'on appelle l'exagération pour ses personnages principaux. Ils ont un trait de leur personnalité, pas de leur caractère, qui est exacerbé. Et Chopper, ben il est naïf. Voilà. Il est naïf. Donc, Oda, il utilise ce procédé narratif, l'exagération, et vous pouvez chercher pour ses personnages principaux. Mais c'est mal connaître les principes de la narration si croire que ça s'arrête uniquement là. Bon, pour des youtubeurs aussi prestigieux que le Mont Corvo, je trouve ça décevant. Sincèrement, je pèse mes mots et je trouve ça décevant. Sauf si c'est du troll. Et là, pour le coup, je me confonds en excuses par avance. Toutefois, j'y crois pas. Les deux frères, ils ont une analyse de surface de la narration de One Piece, et ce sont des youtubeurs. Ils font du divertissement. Et je leur en veux pas, d'accord, mais il y a un moment, il faut arrêter de propager des trucs qui sont faux. Ils font ce qui marche, et ça, c'est cool, ils ont raison, ils ont 700 000 abonnés, j'ai juste à fermer ma bouche, mais quand tu parles de narration et que tu dis que le personnage n'est que ci, n'est que ça, démontre que c'est ça. Je le dis régulièrement dans mes vidéos, un personnage, c'est une fonction dans une histoire. Il sert un objectif, c'est comme une pièce de Lego. Il sert une thématique spécifique, comme chaque brique dans un Lego. Chopper, il a une fonction dans cette histoire qu'est One Piece. Et elle est brillamment mise en évidence avec Beppo qui se transforme en Sulong sans lune. Alors, est-ce que c'est cohérent? Oui, Chopper a de l'expérience dans la transformation en monstre. Ou dans les transformations normales. On nous le montre depuis le début. On le sait depuis l'île des Gyojin. Mais même bien avant l'ellipse. Il est proche des Minks. On le voit depuis l'arc de Zo et surtout sur Onigashima. Il se balade tout le temps sur le champ de bataille avec le médecin ainsi que l'infirmière Minks. On ne peut pas dire que cette drogue est sortie du chapeau. C'est teasé depuis Zo. Et peut-être même depuis bien avant. Mais au minimum depuis Zo et Zunisha. Alors quelle est la fonction de Chopper? C'est un médecin, bordel de merde. Oui, ça a pris mais de 1000 berries, je crois, je sais même plus. Mais comme chaque Mugiwara, Oda lui a appliqué le procédé narratif de l'exagération. C'est pour ça que vous en parlez juste avant, pour accentuer les contours du personnage quand il va agir d'une certaine manière. On exagère un trait de sa personnalité pour le faire passer de normal à archétype titanesque. Un archétype, un modèle. Voilà, c'est le modèle du médecin de guerre. La vraie question serait, quelle est la fonction des transformations de Chopper? Et ça, c'est une des fonctions du personnage. Une des réponses est révélée dans ce chapitre 1081. Probablement que d'autres
viendront. Mais tout ça, ça rend le personnage cohérent ainsi que sa fonction. C'est un médecin de bataille. Et cette transformation lui permet de gérer les aléas sur un putain de champ de bataille. Bordel de merde. Pardon, mais c'est fatigant. Un médecin de bataille doit pouvoir être sur le front, comme Marco le Phénix, qui est un fruit du démon qui lui permet d'être polyvalent, soigner et soutenir en combat. Mais c'est pas un combattant de base, ce qui a été démontré sur Onigashima. Voilà. En fait, ça a été démontré pour Chopper et aussi pour Marco. Mais quand certains, comme Mon Corvo, sont focalisés sur la partie poétique ou la poésie et non sur le factuel d'une bataille chaotique comme l'était le règne d'Onigashima, ils ne peuvent que passer à côté du sujet. Que faisait Marco sur Onigashima? Il a promis à Eseizo que le jour où ils attaqueraient, il sera là pour eux. Et bien le gars est là. Ou bien que Chopper réduit par Oda à un rôle de mascotte. Pour eux, le hors-sujet est inévitable. Et c'est triste. Mais les gars, vous faites du divertissement, mais restez dans le divertissement. N'essayez pas de rentrer, de vous la raconter, analyste, grand analyste manga. Surtout quand vous dites des énormités pareilles. Stop. Bref, on va passer à autre chose pour la fin. Les lignes narratives et les flashbacks. Alors, on a Law versus Barbe Noire off-screen. Je vais donner mon avis là-dessus. Et donc on va parler de la ligne narrative qui nous mène au combat Law versus Stitch en off-screen. Encore une fois, certains se plaignent d'avoir le combat en off-screen. On connaît toutes les techniques de Law. On le voit se battre de Punk Hazard à Onigashima. Et en réalité, on veut voir Stitch se battre. C'est ça le truc. Mais l'auteur ne veut pas montrer Stitch se battre. Et c'est tout. Il n'y a aucun putain d'intérêt à voir Stitch se battre maintenant. L'auteur veut et a besoin de garder encore secret son style de combat, la façon dont il se bat. Parce que, rappelez-vous, Shanks, je dois cette cicatrice à un de tes hommes. C'est Teach. J'ai été attentif pendant tout le combat, ce n'était pas une erreur d'inattention. Mais Oda, il veut surtout garder secrète ses motivations qui donneraient un degré d'empathie comparable à Doflamingo, personnage de Teach. Donc, il ne faut pas qu'on sache comment Teach se bat. C'est pour ça que le combat se passe en off-screen. Pourquoi voulez-vous que l'histoire nous révèle des indications sur sa façon de se battre à ce moment de l'histoire, pour la saga finale? Ça n'aurait aucun sens et l'auteur ne veut pas ça. C'est donc normal que le combat se passe off-screen. Tous ceux qui vont rager, rappelez-vous une chose, vous n'êtes que des lecteurs et l'auteur se met à jouer. Un auteur joue un jeu de piste avec vous. Vous avez accepté en commençant à lire le manga. Pourquoi vous ragez maintenant? Il va certainement pas vous révéler les indices essentiels pour ces plot twists épiques prévu pour la fin de l'histoire. C'est tout. Et essayons de réfléchir de façon sensée, de façon intelligente. Enfin bref, j'ai vu passer aussi sur Twitter les flashbacks. Encore une fois, des gens qui disent « Ah ouais, des flashbacks de One Piece ». Encore une fois, Oda manie les flashbacks, les analepses magistrales. Voilà, le flashback de Kuzan et Teach est génial, épique. On comprend rapidement qui sont les deux personnages. Et ça nous donne des nouveautés sur leur caractère de personnage. Il permet de voir que Kuzan s'enfonce dans sa recherche de la justice. Alors s'enfonce, il va encore plus profondément dans la recherche de la justice. Et que Teach a un plan, mais qu'il n'est pas le mastermind 100% diabolique qu'on croit. En tout cas que je crois. C'est un type qui a saisi sa chance et qui continue à le faire en faisant les choix qu'il faut au moment où il faut. Exactement comme lorsqu'il a volé le Yami Yami no Mi. Qu'il a pris Ace au lieu de Luffy, qu'il est devenu corsaire, qu'il a voulu récupérer le Mero Mero no Mi sur Amazon Lily, ou qu'il s'est attaqué à Law. Teach est comme Jack Sparrow, c'est un génie de l'improvisation, et c'est un opportuniste. Et c'est un opportuniste aujourd'hui, je change mon propos, je dis, peut-être dans le bon sens du terme. Ses actes où il a des esclaves, machin, il vend des trucs, il fait ce qu'il a à faire pour atteindre ses objectifs. Et ce flashback confirme aussi que Teach est l'archétype de l'ombre. Comme je le disais dans mon analyse de personnage de Teach, c'est l'archétype de l'ombre. Allez voir l'analyse de personnage pour plus de détails. C'est un flashback puissant qui nous permet de voir sous un autre angle Barbe Noire et son équipage, ainsi que le choix ferme de Kuzan. Tous les gens qui disaient que ouais, c'est un infiltré du Sword, oui, c'est un infiltré des révolutionnaires, mais ça n'avait aucun sens. Ça n'avait pas de sens au niveau narration. Il y a 4 mois, j'ai fait une vidéo sur ça. Kuzan n'est pas un infiltré. Allez la voir. Voilà. Bon, ce chapitre 1081 était magnifique.
tout va très vite, mais c'est contrôlé et surtout prévu de longue date, à mon avis. Désolé si j'ai été un peu violent, un peu long dans mes propos et mon ton, mais je souhaite vous proposer quelque chose de différent pour ce format SAV. J'espère que vous avez aimé, likez, partagez sur Twitter, et surtout commentez la vidéo, ça va lui permettre d'avoir un petit peu plus de visibilité. Dites tout ce qui vous passe par la tête, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est pas grave, je vous répondrai pas, je vais pas vous insulter. N'hésitez pas à commenter et à bientôt l'équipage.